Et vous allez me dire, où est cela dans le Nouveau Testament maintenant? Maintenant, où est-ce que la Bible refuse le Nouveau Testament? Refuse la polygamie dans le Nouveau Testament. Je vous ai donné un premier verset. Au commencement, il n'en était pas. Eti hapo mwanzo haikukuwaka hivyo. Matthieu 19, 1 jusqu'à. Matayo 19, 1 hadi 8. Vous avez besoin d'un deuxième verset. 1 Corinthiens 7. Unahitaji shairi ya pili. Kamata wa Korinto kwanza sura. Saba. Saba. Moja. Moja. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Kwa yenye kuhusu mambo mulio niandikia. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Nazani ingelikuwa vizuri mume asimguse mwanamke. Toutefois, hata hivi, pour éviter l'impudicité, kwa kuepuka uasherati, que chaque femme ait, que chacun ait sa femme, kila mmoja awe na mke wake, que chaque femme ait son mari. Amen, amen. Na kila mke awe na mume wake. Transformons ce verset en polygamie. Vous allez voir que les mots vont changer. Neno hili limebadilishwa katika polygamie na mtakuya kutakuwa neno hili libadilishwa. Hili neno tuligeuze mo polygamie muone vile maneno itachange. Ba France mu composé à la forme polygamique qui n'existe pas dans la conjugaison. Transformez ce verset en forme polygamique. On allait dire quoi? Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait ses femmes, kila moja awe na mabibi zake, et que chaque femme ait ses maris. Na kila mwana muke awe na babwana zake. Jusque là, on n'a pas encore fini la transformation. Bien, tu n'as pas 90%. Que le mari rende à ses femmes. Toutefois, bon, tu partis population. Si tu as risqué de faire ma nini ma. Mina bambia mutavumula mule kitu. Ndio. Mule muko kitu la transformation de la phrase de Paul en forme polygamique. Kubadilisha. Vous allez voir comment les gens ont changé la Bible sans le savoir. Mutakuya kuona kwamba watu walishaka badilisha Biblia na hawajui. Bon, changeons un peu. Bon, tubadilishe kidogo. Là où il y a 100, on mettra quoi? C'est que chacun ait ses femmes. Kila moja awe na mabibi wake zake. Alors que Bible nasema muke wake. Hapa itakuwa wake zake. Na bana muke bakuwe na bwana wao. Jubakisha kuwa bake zake. Na kule ngapo. Nabo banakuwa bana muke benye bako na bwana wao. Okay. Si chacun aura ses femmes. Kama kila mume atakuwa na wake zake. Les femmes auront leur mari un. Ni kusema wake nao watakuwa na waume zao. Mume wao. Mume wao. Mume wao. Bwana yabo. Bwana yabo. Bakisha kuwa kila mtu na wake zake, si chacun aura ses femmes. Kama kila mmoja atakuwa na wake zake. Alors ces femmes là auront leur mari. Manake wale wake nao watakuwa na mume wao. N'est-ce pas? Sivyo. Maintenant je vous pose la question. Sasa niwaulize. On aura évité l'impudicité ou bien on aura fait maintenant l'impudicité? Utakuwa umeepuka uasherati au utakuwa umefanya uasherati? Parce que pour éviter. Sababu kwa kuepuka. Il faut que l'homme ait sa femme. Yafaa mume awe na mke wake. Et chaque femme ait son mari. Na kila mke awe na mume wake. Maintenant quand vous changez ici, vous allez éviter. Unapogeuka, je utaepuka basi? Non. On n'évite plus. Alors transformons la phrase. Toutefois, pour faire l'impudicité, que chacun ait ses femmes, et que chaque femme ou les femmes aient leur mari.
Wake nao wawe na mume wao. Là on n'a pas évité parce qu'on a changé ce qu'on a voulu éviter. Pale hakuna chenye uliepuka sababu ulibadilisha chenye ungeepuka. Donc quand un homme a ses femmes, maana yake mume anapokuwa na wake zake, il n'a pas évité l'impudicité, plutôt il devient impudique selon Paul. Hakuepuka uasharati bali anakuwa msharati sawa sawa na vile asemavyo Paulo. Un exercice. Zoezi ndogo. Fille. Binti. Mets-toi debout. Simama. Et toi mets-toi debout. Ninyi wawili msimame. Restez là-bas. Msibakie pale. Je vais donner un exercice. Nitapana zoezi ndogo. Mes filles, binti zangu, pour éviter kwa kuepuka le vol, bwizi, que chacune ait son livre et que chaque livre ait sa personne. Kila moja awe na kitabu na kila kitabu kiwe na mwenye nacho. Kila mtu awe na kitabu chake. Na kila kitabu kikuwe na mtu mwenye nacho moja. Prene. Kwa kuepuka wizi, mtwae. Kitabu, okay. Sawa. Montrez ce que vous avez reçu. Mwonyeshe yenye mumepokea. Et les ont volé? Je, waliiba? Non. Pourquoi? Kwa nini? Chaque livre, kila kitabu, sa fille. Chaque fille, kila binti, ana, son livre. Ana kitabu chake. Bon. Revenez. Murudie tena. Bon, ramenez ici. Murudishe. Allô, que chacun prenne. Kila moja atwaye. Montrez ce que vous avez reçu. Muonyeshe vyenye mulipokea. Onyesha. C'est combien? Ningapi? Et là deux. Ana viwili. L'autre a combien? Mwingine ana vingapi? Ils ont volé ou non? Je, waliiba hawakuiba. Parce qu'ils ont pris au-delà de un. Sababu walitoa zaidi ya moja, wamekuwa wezi. Exact. Kumbe mtu mwenye anajipatia wa pili. Quelqu'un qui se donne la deuxième femme. Haheshimie hii verset. Il ne respecte pas ce verset biblique. Kila mtu awe na mke. Sababu nafika kila mtu awe na mke wake unakutana uko na wake zako. Uko deja paraphrasé par rapport à Mandy. Lorsque tu as déjà plus d'une femme, c'est que tu as déjà, tu respectes pas le verset biblique là. Oui, oui. Parce que tu as plus d'une femme. Est-ce que tu vas entrer au ciel? Et ton pasteur qui t'a mal expliqué les écritures, il entrera aussi? Même si yeye hana hapo. Même s'il n'a pas de. Yeye kakuitikia kuishi tofauti na hii verset. Waziwazi. Njoo mtakutana ba pasta batakataliwa kwa sababu walikubali polygamia. Ndio les serviteurs ou les pasteurs seront refusés aussi parce qu'ils ont accepté la polygamie. Amen.